Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de statistiques inférentielles et on va s'intéresser notamment aux intervalles de confiance uniquement dans le cas des proportions, c'est-à-dire dans le cas des pourcentages. On va s'intéresser en fait aux proportions dans une population, autant pour moi, et dans un échantillon. Le cas de la moyenne, le cas de la variance, on le traitera dans d'autres vidéo. Donc comme d'habitude, vous avez les exercices, puisque c'est une chaîne de correction d'exercices, dans la description, hein, juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien. Donc on va rappeler les formules. Alors ce qui est bien, si vous regardez l'exercice numéro 1, ben, en fait c'est que l'exercice numéro 1 va vraiment lui nous permettre de rappeler les trois formules. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'intéresse au cas de proportion, il y a trois formules d'intervalle de confiance à connaître. Ok? La formule de l'intervalle approché, la formule de l'intervalle majoré et la formule de l'intervalle exact. Il n'y en a que 3. Dans la moyenne, ben, il y en aura aussi 3. Mais le cas de la moyenne, le problème, ça, tout dépendra de la connaissance de l'écart type de la population. Bon, chose qui, dans la réalité, est jamais faisable. Bon, moi, je vais parler du cas de la moyenne. Restons. Donc, attention, hein, c'est important ce que je dis, c'est le cas de la proportion. Donc, ça, par exemple, un bon exemple, vous savez, c'est lors des élections présidentielles. On aimerait connaître le pourcentage de personnes qui veulent voter. On va prendre les dernières élections présidentielles, en tout cas pour l'année où cette vidéo va sortir. Donc c'était Macron-Le Pen, hein, au second tour. Et donc le problème, c'est que avant les résultats de l'élection, bah, on ne peut pas connaître le pourcentage de personnes qui vont voter pour Macron et ceux qui vont voter pour Marine Le Pen. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut construire justement ce qu'on appelle des intervalles de confiance qui vont nous donner, avec une légère inexactitude, c'est-à-dire ce qu'on appelle un risque d'erreur, ces intervalles de confiance, donc ce sont des intervalles, donc c'est un ensemble de valeurs, ils vont nous donner un intervalle dans lequel on est à peu près sûr qu'un certain pourcentage de gens voteront pour Macron, etc. Mais avec un risque d'erreur, on n'est jamais sûr à 100%. Okay, c'est pour ça que lors des élections, il me semble que c'était en 2002, qu'est-ce que je raconte, attendez. Oui, c'est ça, je crois que c'était en 2002, où on pensait en fait que c'était Jospin qui allait passer au second tour. Les sondages l'avaient dit, il avait confirmé avec justement l'étude des probabilités, avec la statistique inférentielle, et en fait c'était Jean-Marie Le Pen qui était passé au second tour. Vous voyez, comme quoi, c'est pour ça que les intervalles de confiance, la statistique inférentielle n'est pas une science exacte, n'est pas une science qui est juste. Okay, mais ça nous permet d'approximer, ça nous permet de savoir à peu près, avec un certain risque d'erreur, qui est souvent de 5%, eh bien, la proportion de gens qui voteront pour tel ou tel candidat. Ok, bon, ça c'était vraiment une petite introduction à une mise en contexte. Donc on y va, donc vous prenez l'exercice 1, hein, donc n'hésitez pas à les faire avant, hein, si vous voulez vous entraîner pour voir ensuite la correction. Donc je vous dis, l'exercice 1, il est super, il va vraiment nous permettre de voir les trois formules, donc comme ça les exercices suivants, ce sera beaucoup plus facile. Je vous donnerai aussi mes notations, hein, parce que peut-être que mes notations ne sont pas les vôtres, hein, pour tout ce qui est taille d'échantillon, proportion dans l'échantillon, etc. Bon, habituez-vous, hein, et vous inquiétez pas. Alors on nous dit donc, dans une circonscription électorale, donc on a enquêté, hein, sur 100 électeurs. Donc 100 électeurs, ça veut dire quoi? Ça, c'est votre échantillon. On a pris 100 personnes. Donc c'est ce qu'on appelle un échantillon. Alors moi, personnellement, l'échantillon, je le note petit n. Ok? Mais normalement, c'est le cas pour vous aussi. Au hasard, et bien sûr, avec remise. Je le dis, hein, mais de toute façon, ne vous posez pas la question. Hein, on ne va jamais vous piéger là-dessus. À partir du moment où on vous demande de construire, d'élaborer des intervalles de confiance, on travaille toujours avec remise. Parce qu'en fait, les formules des intervalles de confiance découlent de la loi binomiale. Et la loi binomiale, on travaille avec remise. Bon. Alors, on a trouvé 60% d'attention favorable. C'est-à-dire que dans les 100 personnes qu'on a interrogées ici, on a trouvé 60% d'attention favorable pour le candidat Tartempion. Okay. Donc, dans l'échantillon, dans les 100 personnes, dans l'échantillon, la proportion, le pourcentage de gens qui veulent voter Tartempion, c'est 60%. Donc, moi, la proportion dans l'échantillon, je la note FN. Je sais que certains, je vais lui donner, hein, la note P bar, d'autres la note P prime. Bon, bah, voilà, en tout cas, c'est pareil. Donc, 60%, vous êtes d'accord avec moi, ça fait 0,6. Hein. Bon. Okay, donc, parmi les 100 personnes, il y en a 60% qui sont, hein, sûrs, hein, en tout cas, quasiment sûrs de voter pour Tartempion. Et donc, on vous demande de construire donc, un intervalle de confiance approché, majoré, et exact, je vous dis les trois formules qu'on va pouvoir réviser. Allez, on va commencer par l'intervalle de confiance approché. Je ferai une petite conclusion à la fin, si je n'oublie pas, si ma mémoire. Voilà.
Alors, l'intervalle de confiance approché, voici ce qu'il nous dit. Alors oui, on prend un risque d'erreur de 5%. Vous savez, ce risque d'erreur de 5%, c'est vraiment le risque, on va dire, qu'on peut appeler conventionnel. C'est-à-dire que c'est le risque que quasiment tous les statisticiens prennent. C'est le risque d'erreur de référence. Parce que vous ne pouvez pas construire un intervalle de confiance à 100%. Parce que dans ces cas-là, on n'est plus dans le cadre des probabilités. Parce que si vous êtes sûr à 100% que tel pourcentage de personnes voteront Macron ou Marine Le Pen, il n'y a plus de probabilité, hein. Les probabilités disparaissent. La science des probabilités n'a plus aucun intérêt. Donc c'est pour ça qu'on est obligé en probabilité d'admettre un risque d'erreur, et souvent c'est vrai que le risque d'erreur qu'on prend, c'est 5%. On fait aussi des intervalles de confiance, je ferai peut-être des vidéos là-dessus, avec des risques d'erreur de 1%. Mais sachez que dans cette vidéo, pour tous les exercices, on restera sur du 5%. Donc l'intervalle de confiance, alors je ne sais pas comment vos enseignants le notent, mais moi je note comme ça, donc hop. L'intervalle donc de confiance. Alors P, ça par contre, c'est la proportion dans la population. C'est ce qu'on veut estimer. Ouais, c'est ce qu'on veut estimer. Et bon, normalement, vous avez vos formules dans votre cours. Hein. Donc, l'intervalle de confiance à 95% de réussite, hein, voilà comme ça, de la proportion dans la population, c'est la proportion dans l'échantillon plus ou moins U alpha multiplié par Fn facteur de 1 moins Fn sur n. Alors pourquoi je mets plus ou moins? Parce que vous avez une borne inférieure, c'est un intervalle, hein, qui sera donc le moins, et une borne supérieure qui sera le plus. Mais on verra ça au cours de l'exercice. En général, Fn, on le connaît. Petit n, on le connaît. Mais on ne connaît pas le U alpha. Alors je vais le dire tout de suite, et je vous demanderai de vraiment... Si vous deviez apprendre une petite valeur par cœur, c'est celle-ci, pour les statistiques inférentielles. U alpha, alors déjà, ça, tout ça là, on appelle ça une erreur d'estimation. Pourquoi? Parce que si l'erreur est égale à 0, ça veut dire que ça vaut 0, et donc ça veut dire que la proportion dans l'échantillon serait exactement celle de la population. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la proportion dans un échantillon qui n'est qu'une partie de la population n'est jamais égale, sauf hasard, ne peut jamais être égale à la proportion dans une population tout entière. Alors, je ne sais pas, il y a combien de votants en France, mais on est peut-être autour, je ne sais pas moi, des 50 millions. J'essaie de prendre les personnes de moins de... Non, allez, peut-être un peu moins, 45 millions en France de personnes qui votent. Bon, vous savez bien, avec un échantillon de 100 personnes, on ne peut pas dire que les intentions favorables pour Tartampion soient les mêmes. Vous comprenez? C'est pour ça que on soustrait et on ajoute ce qu'on appelle une erreur d'estimation. Et cette erreur d'estimation dépend d'un U alpha. Alors là, je ne vous fais pas la partie courte, hein, mais U alpha se déduit donc de la loi binomiale et ensuite d'une approximation avec une loi normale. Donc on utilise la table de la loi normale. Là où je veux en venir, c'est que je vous demande de connaître par cœur une valeur. À partir du moment où nous acceptons un risque d'erreur, que je note alpha, qui vaut 5%, je vous l'ai dit, les intervalles de confiance, pour les statisticiens construisent toujours des intervalles de confiance à 5% d'erreur. Vous devez savoir par cœur que U alpha vaudra toujours 1,96. S'il vous plaît. Je vous demande d'apprendre cette valeur par cœur. Ok, comme ça, dans un exercice d'examen. Ok, 5%. Ok, n'allez même pas lire. Normalement, U alpha, on va le lire dans la table de Gauss, dans la table de la loi normale. Et mais commencez pas. 5%, c'est 1,96, c'est terminé. Bon. Donc, écoutez, on a tout ce qu'il faut, hein, là, on remplace. Hein. Donc, l'intervalle de confiance, ce sera donc 0,6 plus ou moins 1,96 multiplié. Vous suivez la formule, hein, vous remplacez 0,6 fois 0,4 sur 100. Donc, vous prenez le moins, donc vous faites 0,6 moins tout ça. Vous obtenez 0,504. Alors, je ne sais pas si vos enseignants vous disent d'aller au centième ou au millième, mais si ce n'est pas indiqué, allez au moins trois chiffres après la virgule. En probabilité, on aime bien quand même la précision, donc deux chiffres, c'est pas terrible. Et alors, le dixième, c'est pire. Hein. Donc, allez quand même jusqu'au millième. Et 0,696. Donc là, vous faites 0,6 plus. Vous avez compris le principe. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes sûrs à 95% près que dans toute la population, il y aura environ entre 50% et 69% des votants
qui voteront pour Tartempion. On est sûr à 95% près qu'il y aura entre 50% et on va dire 70% de personnes qui voteront pour Tartempion, dans toute la population votante. Ouais. Sachez une chose aussi, je parle beaucoup à l'oral, je sais, mais notez en même temps, hein, je ne vais pas à chaque fois tout écrire, ça ne sert à rien, vous avez des oreilles pour entendre et donc vous avez aussi des mains pour recopier sur votre papier. Sachez aussi que l'intervalle de confiance approché est l'intervalle le plus utilisé en statistique inférentielle. Le majoré et l'exact sont utilisés, mais moins fréquemment. Ok, alors le deuxième, c'est le majoré. Alors le majoré, vous allez rigoler parce que c'est le plus facile. J'ai envie de dire, il n'y a rien à faire. Je vais faire une conclusion à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc l'intervalle de confiance à 95% de la proportion dans une population majorée, c'est Fn, donc c'est la proportion dans l'échantillon, plus ou moins 1 sur racine de n. Non, non, mais je rigole, mais vraiment, 1 sur racine de n. Attention, je le dis quand même, parce que certains... Cette formule ne vaut, là par contre je vais quand même le dire, hein, cette formule ne vaut, notez-le, que pour un alpha qui vaut 5%. Attention, hein. Là par contre, je rigole pas. Cette formule ne vaut que pour un alpha qui vaut 5%. Ouais. Si alpha n'est pas égal à 5%, alors la formule deviendra... Elle n'est pas très différente, hein, mais vous avez juste quelque chose à ajouter. Donc ce sera toujours 1 sur racine de n, mais vous allez devoir multiplier par u alpha sur 2. Voilà. Donc si alpha n'est pas égal à 5%, voici la formule de l'intervalle majoré. Donc vous allez devoir chercher le u alpha dans la table. Hein? Regardez pourquoi. Pourquoi quand alpha égale 5%? Regardez bien, juste comme ça, regardez, logiquement. U alpha vaut 1,96. 1,96, c'est pas loin de 2. 2 sur 2, ça fait 1. C'est pour ça qu'on ne garde que le 1 sur racine de n. Tout simplement. Mais quand alpha n'est pas égal à 5%, là, le u alpha sur 2 est important. Voilà. Donc là, vous avez les deux formules de l'intervalle majoré. Hein. Mais bon, retenez principalement celui-ci, c'est celui qu'on utilise le plus. Donc là, bah, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire à vous remplacer. Et donc, on aura donc, l'intervalle de confiance de P, 0,6, plus ou moins 1 sur racine de 100, ça fait 10. OK. Donc, en fait, on aura 0,5 et 0,7. Voilà. L'exact, on va s'amuser un petit peu. J'espère que vous souvenez de la résolution de vos inéquations du second degré. C'est une petite indication préalable. Ok, ah ben, regardez, c'est bien que je n'ai pas effacé l'intervalle approché. L'intervalle approché nous donne 504, 696. L'intervalle majoré, 0,5, 0,7. Lequel est le plus précis? Ben, c'est l'approché. Hein. Parce que là, l'écart, il vaut 0,2. Là, l'écart est plus petit que 0,2. Vous savez, l'intervalle majoré, comment on l'appelle? Enfin, comment on l'appelle? Comment on le surnomme? On appelle ça le pire des intervalles de confiance. Sérieusement. Hein. On appelle ça le pire des intervalles de confiance parce que c'est celui dont l'écart des deux bornes est le plus grand. Donc il n'est pas terrible. Mais d'ailleurs, je pense que son nom majoré porte... Vous voyez, il porte bien son nom, hein, de majoré. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile. Les trois sont utiles. Les statisticiens, lorsqu'ils construisent des intervalles de confiance sur des proportions, ils font les trois formules. Parce qu'ensuite, ils peuvent comparer les trois. Voir quel écart il y a. Bon, après, ça, c'est le travail, c'est le boulot des statisticiens qui font un travail extraordinaire en probabilité, il faut le savoir. Parce qu'ils se trompent. En fait, ils se trompent rarement. Pourtant, c'est des probabilités. On devrait dire, on ne peut pas faire confiance aux probas. Bah si, parce que les statisticiens aujourd'hui ont développé de telles techniques qu'ils se trompent très rarement. Mais il y a toujours un petit risque d'erreur, évidemment. Bon, là, l'échantillon, là, par contre, il est ridicule. Je ne sais pas si c'est un village qui compte que 300 personnes. Mais ne faites pas un sondage d'une élection présidentielle sur 100 électeurs. Hein. Parce que là, c'est ridicule. Vous devez savoir aussi une chose. Hein, c'est, pendant que vous recopiez, je parle un petit peu, je raconte ma vie. Mais plus la taille de l'échantillon est grande, et plus vos intervalles de confiance seront exacts.
entre guillemets. Vous comprenez? Hein, plus la taille de l'échantillon est grande et plus l'exactitude, plus on peut faire confiance à l'intervalle de confiance, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Bon, allez, donc on va passer à l'exact. Donc là, on va s'amuser puisque c'est une résolution d'une équation, en fait. Alors, c'est une formule, hein, mais c'est une formule d'une équation. Alors, l'intervalle de confiance exact, voici sa formule. On doit résoudre l'inéquation Fn moins P au carré inférieur à U alpha au carré multiplié par P facteur de 1 moins P sur N. Voilà. Vous devez résoudre cette inéquation et vous aurez votre intervalle de confiance. Apprenez par cœur. Hein. Alors, donc on va déjà remplacer par ce qu'on connaît. Hein. Donc ça fait 0,6 moins P qu'on ne connaît pas, hein, au carré inférieur. U alpha, je vous ai dit que c'est 1,96 pour 5%. P moins P carré. Donc je fais P moins 1. P fois 1, ça fait P. P fois P, ça fait P carré. Sur 100. Voilà ce que vous devez résoudre. Une inéquation en fonction de P. Vous, faites-la, hein, mettez sur pause. Hein, avant de regarder la correction, c'est toujours intéressant. Alors, 1,96 au carré, ne calculez pas tout de suite, on va le calculer à la fin, ne vous inquiétez pas. Alors, 0,6 au carré, donc on y va. Donc là, c'est une identité remarquable, je ne vous apprends rien, donc ça fait 0,36 moins 2AB, donc 2 fois 0,6P, donc ça fait 1,2P plus P carré, inférieur, je vais développer le 1,96 avec le numérateur, donc on aura 1,96 au carré fois P moins 1,96 au carré fois P carré, sur 100. Là, écoutez, je vais pas vite, hein, mais ça, pour moi, c'est acquis. Je fais passer le 100 à gauche, donc je multiplie tout par 100. Donc, on aura 36 moins 120p plus 100p carré inférieur à 1,96 carré p moins 1,96 carré p carré. Et pourquoi je vous parlais d'inéquation du second degré? Parce que vous voyez déjà qu'on va aboutir à une inéquation du second degré. Alors, vous regroupez les P carrés, vous regroupez les P, vous regroupez les réels, et vous devez résoudre donc une inéquation qui sera de 103,9416 P carré moins 123,9416 P plus 36 inférieur ou égal à 0. Si vous voulez, retenez que 1,96 au carré, ça fait 3,9416. Pour ceux qui aiment apprendre des choses par cœur. Donc, pour résoudre une inéquation du second degré, donc je vous dis, l'intervalle de confiance exact, c'est une résolution d'inéquation du second degré. Donc, delta, je vous fais confiance, vous allez trouver 383,5515. Donc, vous avez deux valeurs de P. Ben, ça tombe bien, hein, parce que je veux un intervalle. Donc, du coup, ça va être les bornes de l'intervalle. Donc, moins B moins racine de delta sur 2A, moins B plus racine de delta sur 2A. Donc, vous allez trouver 0,502 et 0,691. Et donc, votre intervalle de confiance à 95%, ce sera 0,502, 0,691. Ne construisez pas de tableau de signes. Hein. Vous prenez les deux solutions, et vos deux solutions, ce sont les bornes de l'intervalle de confiance. Ok. Et si vous le comparez à l'intervalle approché, celui-ci est encore plus précis. Regardez les bornes de l'intervalle. L'intervalle, donc le majoré, je vous ai dit, le majoré, c'est le pire. Mais si vous prenez l'intervalle approché, on avait 504 et 696. Là, ça, l'écart s'est encore réduit un petit peu. C'est pour ça qu'on l'appelle exact. Donc, ça veut dire quoi? Dans vos trois méthodes, il y a une hiérarchie. L'exact, on le considère comme étant le plus précis. Le deuxième, c'est l'approché. Et le pire, entre guillemets, c'est le majoré. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on travaille toujours avec l'exact. Hein, pas du tout. Bon, ben voilà. Ça va pour ça? Désolé hein, de ne pas avoir calculé le delta en détail. Bon, je considère que c'est des choses qui sont acquises. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc là, j'ai
Donc là, oui, pour vous expliquer cette ligne-là peut-être. Hein, donc j'ai fait 100 p carré plus 1,96, enfin, j'ai fait 100 plus 1,96 au carré. Donc ça fait 103 en 1. J'ai fait moins 120 moins 1,96 au carré. Donc ça fait moins 123. Le 36, j'ai laissé tranquille à gauche. Et du coup, à droite, j'ai inférieur ou égal à 0. Bien. Mettez sur pause. J'efface. Alors, l'exercice 2, bon, vous allez voir qu'un. Ah oui, non, oui, attendez. Oui, donc c'est pareil. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est vrai que. Bon, après, ça dépend de vos enseignants. Mais parfois, dans un exercice, on vous donne pas la méthode qu'il faut que vous utilisiez. Donc, on ne sait pas toujours si est-ce qu'on doit utiliser l'approché, le majoré ou l'exact. Alors, normalement, hein, je vous le dis, normalement, quand rien n'est indiqué, vous devez toujours utiliser l'intervalle approché, le premier qu'on a utilisé. OK ? Normalement, le majoré et l'exact, on doit vous obliger à les utiliser. Donc, si ce n'est pas indiqué, donc je vous le dis pour la suite de la vidéo, on utilisera toujours l'intervalle approché. Mais dans l'exercice 2, j'ai envie qu'on s'entraîne une deuxième fois à l'intervalle exact avec la résolution d'une inéquation. On va s'amuser un petit peu. Ah oui, il faut s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, dans la luminosité, c'est bon, ouais. Dans un échantillon avec remise de 100 ménages, donc notre échantillon vaut toujours 100, on a trouvé une proportion de ménages vivant au-dessous du seuil de pauvreté de 20%. Donc la proportion dans l'échantillon vaut 0,2. Et donc on vous demande, première question, de construire un intervalle de confiance. À 95%, donc. Écoutez, encore une fois, comme ce n'est pas indiqué, on va utiliser l'intervalle approché. Donc l'intervalle de confiance de P à 95%, c'est Fn plus ou moins U alpha multiplié par racine de Fn, facteur de 1 moins Fn, sur n. 95%, donc U alpha vaut 1,96, donc c'est bon, ça fait 0,2, plus ou moins 1,96, racine de 0,2, 1 moins 0,2, ça fait 0,8, sur 100. Et donc, vous allez trouver un approché de 0,1216 et 0,2784. Là, j'ai même été 4 chiffres après la virgule. Bon, mais j'ai envie qu'on le fasse aussi avec l'intervalle exact, pour s'entraîner. Donc, je rappelle la formule, c'est toujours bien de la recopier, ça nous permet de l'apprendre. Donc, fn moins p au carré est inférieur ou égal à u alpha au carré multiplié par p facteur de 1 moins p sur n. Donc, on aura 0,2 moins p au carré inférieur ou égal à 1,96 au carré fois p moins p carré sur n. Donc, on aura 0,04 moins donc 0,4p plus p carré inférieur ou égal à 1,96 au carré p moins 1,96 au carré p carré sur 100. On multiplie par 100, donc on aura 4 moins 40p plus 100 p carré inférieur ou égal à 1,96 carré p moins 1,96 p carré. Comme tout à l'heure, je regroupe les p carrés, les p et les réels ensemble. Et donc, vous allez avoir 103,9416 p carré moins 43,9416 p plus 4 inférieur ou égal à 0. Delta B carré moins 4 AC, 260, là c'est vraiment, je vous donne vraiment les résultats pour que vous entraîniez, hein, que vous vérifiez bien qu'on a la même chose. Donc deux valeurs de P, 0,133 et 0,289, ce qui fait que l'intervalle à 95% de P, ce sera donc 0,133, 0,289. Hop là. Un petit peu de sucre pour se maintenir en forme. Ça va?
Alors, on nous pose une deuxième question qui est intéressante. Donc, on va conserver l'intervalle exact. Hein. Vous pouvez prendre l'approcher pour répondre à la deuxième question, peu importe. Mais bon, on a dit que celui-ci était le plus précis. On vous dit, est-ce que l'hypothèse, hein, selon laquelle la pauvreté toucherait un quart des ménages, doit être écartée? On nous donne donc, on fait une hypothèse, hein, dans la deuxième question, on nous dit, est-ce qu'on peut affirmer que un quart des ménages est sous le seuil de pauvreté? Bah, déjà, je vous rappelle qu'un quart, ça fait 0,25. Voilà, ça, je ne vous apprends rien. Bah, en fait, tout simplement, il faut vérifier que 0,25 appartient bien à l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance nous dit quoi? L'intervalle de confiance nous dit qu'on est sur un 95%, on est sur un 95% qu'il y a entre, en gros, 13% et 29% de ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et il y a un statisticien qui fait une hypothèse qui dit, bah alors, est-ce qu'on peut dire que, en gros, il y a à peu près un quart? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a à peu près 25% de ménages qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté? Bah oui, puisque 0,25 appartient bien à l'intervalle de confiance. Ok? Donc, puisqu'on a dit qu'on est sûr à 95% qu'il y a entre 13% et 29% de gens, allez, on va dire, au lieu de ménage, on va dire de gens qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, bah, on peut bien confirmer l'hypothèse qu'il y a 25% de ménages qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Donc, l'hypothèse ne doit pas être écartée, au contraire. Bah, je n'ai pas dit qu'elle doit être confirmée, on est en probabilité, mais elle ne doit pas être écartée. Donc, l'hypothèse ne doit pas être écartée. C'est une hypothèse qui est valable, qui est intéressante, à 95% de certitude. Ok ? Ça, c'est en terminale, hein, les étudiants doivent répondre à ce genre de questions. Donc en licence davantage. Oui, d'ailleurs, vous avez vu les exercices, on passe de l'exercice 2 à l'exercice 4, mais vous avez compris que c'était un montage. C'est-à-dire que j'ai sélectionné un certain nombre d'exercices parmi un ensemble d'exercices. C'est pour ça que les numéros ne vont pas dans l'ordre. Ah si, ils vont dans l'ordre, mais par exemple, je n'ai pas pris l'exercice 3. Voilà, tout simplement. Ok. Allez, on passe donc à l'exercice 4, qui est normalement notre exercice 3 pour nous. Donc là, on va devoir trouver une inconnue, parce qu'on ne va pas que déterminer des intervalles de confiance. Je crois qu'avec les deux exercices qu'on vient de faire, c'est OK hein, pour les formules. Alors, on nous dit, avant le premier tour d'une élection présidentielle, on procède à un sondage. Alors là, vous avez vu, on est exactement dans l'introduction que j'ai faite dans cette vidéo. Donc, on procède à un sondage pour calculer le pourcentage de voix en faveur du candidat X. OK ? On trouve 51% d'attention favorable. On procède à un sondage. Un sondage, c'est un échantillon. On fait toujours un sondage dans un échantillon. Et on trouve 51% d'attention favorable. Donc, en fait, on nous donne quoi ici? On nous donne la proportion dans l'échantillon. 51%. Hein? Puisque ça, c'est le résultat d'un sondage, donc d'un échantillon. Ayant calculé l'intervalle de confiance à 95%, donc on est toujours... De toute façon, on reste à 95%. Le statisticien estime que X devrait être élu. Donc lui, le statisticien, il a fait son intervalle de confiance. On utilisera donc l'intervalle approché. Je vous l'ai dit, hein, quand on ne vous le dit pas, c'est l'intervalle approché. Donc, mettons tout de suite la formule. Donc, on est sur du... Donc, j'en place tout de suite. Hein, Fn plus ou moins 1,96 racine donc de Fn fois 1 moins Fn. Donc, ça fait 0,49 sur n. Tiens, n, on ne le connaît pas. Eh bien oui, c'est ce qu'on vous demande de trouver. Vous avez vu ce qui est intéressant avec les intervalles de confiance? C'est que parfois, on ne vous demande pas de construire un intervalle de confiance. On vous demande de retrouver une inconnue qui se trouve dans l'intervalle de confiance. Là, ça tombe sur n. On aurait pu aussi vous demander de retrouver fn. On aurait pu vous demander de retrouver u alpha. Hein, donc, vous voyez, il y a plein de choses à savoir, en fait, sur les intervalles de confiance. Alors, la phrase qui est la plus importante dans cet énoncé, c'est cette partie-là. Le statisticien estime que x devrait être élu. Donc, X devrait être élu. Alors, pour qu'il soit élu, il faut qu'il y ait au minimum combien de pourcentage de vote? Bah, 50%. Au moins.
Donc au minimum, il doit avoir 50%. Bon. Dans l'échantillon, je suis à 0,51. Si j'ajoute cette partie-là, on aura quelque chose qui sera plus grand que 0,51. 0,51 plus quelque chose, ça peut donner que quelque chose qui est plus grand que 0,51. Ok ? Bon. Par contre, si j'enlève, si je fais moins 1,96 racine de 0,51 fois 0,49 sur n, ça peut être plus petit que 0,51. Tout dépend de la valeur de n. C'est d'accord ? Vous suivez, hein ? Selon la valeur de n, 0,51 moins ça, ça peut être plus petit que 0,50. Mais nous, le statisticien, nous dit que x devrait être élu. Si x devrait être élu, cette différence, elle devra forcément rester plus grande que 50%. Parce que le plus, on sait que le plus, il ne pose pas de problème. On est au-dessus de 0,51. Mais le moins, on peut être en dessous de 50%. Donc pour qu'il soit élu, on doit forcément être au-dessus de 0,50. Donc nous devons résoudre cette inéquation. Et on trouvera la valeur de petit n. Là, j'en ai perdu. Je sais que j'en ai perdu. Mais là, je ne peux pas l'expliquer autrement. Donc, c'est une question de logique, c'est tout. Bon, d'ailleurs, on pourrait mettre strictement... Hein, allez, ouais, on va mettre strictement quand même. Sur 50%, il n'est pas vraiment élu. Allez, on y va. Bon, on y va. Hein, donc, ça, c'est une inéquation, hein, tranquillement. Donc, je vais passer le 0,51 là-bas. Donc, on aura moins 1,96 racine de 0,51 fois 0,49. Alors, je le dis, s'il vous plaît. Par exemple, 0,51 fois 0,49, évitez de le calculer. Pourquoi ? Conservez toujours les valeurs les plus exactes. Parce que si vous arrondissez, après, vous allez encore arrondir à la troisième ligne. Vous allez arrondir à la quatrième ligne. Vous allez faire des arrondis sur des arrondis. Donc, à la fin, votre résultat, ce sera un arrondi qui sera fait sur 5 arrondis. Donc, en fait, vous n'avez pas trouvé le bon résultat. Donc, conservez les valeurs exactes au maximum. Et après, vous tapez tout sur votre calculatrice. Donc, on aura supérieur à quoi ? 0,5 moins 0,51. Ça fait moins 0,01. OK. J'ai un moins à gauche, un moins à droite. Je dis rien. J'ai le droit de les enlever. À condition de changer le sens de l'inégalité. OK ? J'ai un moins à gauche, un moins à droite. Je les enlève, mais je change le sens de l'inégalité. OK. Je fais passer le 1,96 là-bas. Donc, il va rester la racine à gauche. Alors, 0,01 divisé par 1,96, ça fait 1 sur 196. Voilà. Et là, je fais comment ? Ben, je dois me débarrasser de quoi ? Ben, de la racine carrée. Hein. Parce que vous ne trouverez jamais n si vous vous débarrassez pas déjà de la racine carrée. Comment on se débarrasse d'une racine carrée ? Ben, on met au carré. Et si je mets au carré à gauche, je mets au carré à droite. Donc, à gauche, en mettant au carré, la racine disparaît. Par contre, je mets au carré à droite aussi. OK, hein, vous allez voir, on y arrive. Hein. Tranquillement. C'est une inéquation, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je fais passer le n de l'autre côté. Donc, à gauche, on aura 0,51 fois 0,49. Plus petit, donc, que 1 sur 196 au carré fois n. Pourquoi fois n ? Parce que comme n est au dénominateur, quand il va passer à droite, il va devenir une multiplication. Et donc, j'ai plus qu'à faire passer le 196, donc j'aurai n à droite qui va être tout seul, supérieur, hein, n supérieur, et donc j'aurai 0,51 fois 0,49 divisé par 1 sur 196 au carré. Et donc, nous aurons n supérieur à 9600,1584. OK ? Oui, le n à droite, je l'ai mis à gauche, mais je n'ai pas changé le sens. Hein. Là, cette ligne-là, c'est bien n supérieur. Ben là, c'est pareil, hein, donc j'ai rien changé. Hein. C'est juste que j'ai écrit le n à droite. Donc, si n doit être supérieur à 9600,1584, vous allez prendre quel échantillon ? Bah, 9601. Bah oui, parce que vous vous adressez à des individus, hein, donc vous n'allez pas couper les gens en morceaux. Donc si on doit être au-dessus de 9600,16,
on interrogera, on sondera 9601 personnes. Donc, ça veut dire, conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'après le statisticien, pour que X, enfin, d'après le sondage, hein, pour que X soit élu, il faut interroger 9601 personnes dans le sondage. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il va être élu. Hein. Ça ne veut rien dire. Hein. On est au conditionnel. Vous avez vu le bordel des statisticiens? Regardez cet exercice. Prenez vraiment la réalité. Imaginons que là, au lieu des, on est vraiment dans une... Dans un cas, encore une fois, l'élection présidentielle, la dernière, là, Macron, Marine Le Pen. Les statisticiens qui auraient fait donc leur sondage avec 9601 personnes, hein, donc ils auraient sondé 9601 personnes pour qui vous votez, Macron, nanana, nanana, eh bien, ils en auraient conclu en construisant leur intervalle de confiance que, donc si on s'intéressait à Macron, que Macron, effectivement, aurait pu être élu. Mais s'ils avaient pris un échantillon de, allez, 2000 personnes, eh bien, ils en auraient conclu que, normalement, Macron ne devrait pas être élu. Vous avez vu qu'en fonction de la taille de l'échantillon, un statisticien, un probabiliste, pourra plus ou moins confirmer qu'un candidat pourra confirmer plus ou moins qu'un candidat sera élu ou non. Donc, la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre d'individus que vous sondez avant une élection présidentielle, est déterminante. Ce nombre est déterminant pour savoir à 95% près si tel ou tel candidat sera élu. C'est pour ça que les statisticiens travaillent sur des échantillons qui sont gigantesques. Parce que plus l'échantillon est grand, et plus on est sûr de nos résultats. Oui. Bon, bien sûr, la 9601 personnes, c'est ridicule, mais mettez-vous, je sais pas, dites-vous que c'est des centaines de milliers, et puis voilà. Dites-vous que, allez, on a même interrogé 9 601 000 personnes. Et donc là, on dirait, bah oui, Macron a des chances d'être élu. On aurait interrogé 2 millions de personnes, on aurait dit non, Macron n'a pas de chance d'être élu. C'est toute la justice de la probabilité. Hein. Bon, allez, on va passer à l'exercice 6. Bon, vous allez voir, ça va être rapide. Alors, on veut estimer à partir donc d'un échantillon qu'on ne connaît pas la proportion d'étudiants en sciences économiques possédant au moins un manuel pour les aider dans leurs études. On vous demande de déterminer encore une fois petit n pour que l'estimation soit précise à 95%. Et on veut donc, oui c'est ça, oui. On veut donc pour que l'estimation soit précise à 5 points près. On va commencer par ça. À 5 points près. Ok, donc on veut, je le répète, on veut déterminer la taille de l'échantillon pour que l'estimation soit précise à 5 points près. 5 points près, lorsqu'on s'intéresse au cas de la proportion, ça veut rien dire d'autre que 5%. Hein. C'est pas rien. 5 points, c'est 5 points de pourcentage. 5 points de pourcentage, c'est 5%. Voilà, donc déjà on a réglé ce problème. Parce que j'avais envoyé cet exercice à des collègues, ils m'avaient dit, attends, qu'est-ce que parce que ce ne sont pas mes exercices, hein, ce sont les exercices d'un collègue, et il m'avait dit, mais qu'est-ce qu'il entend par 5 points près? Bah écoute, donc je lui ai posé la question, il m'a dit, bah 5 points près, en fait, il parlait de points de pourcentage, donc de pourcentage eux-mêmes, et donc ça fait 5%. Donc, je reprends la phrase, pour que l'estimation soit précise à 5 points près, ça veut dire quoi dans mon intervalle de confiance? Bah, dans mon intervalle de confiance, ça veut dire que l'estimation à 5 points près, c'est ça. Ça veut dire que l'intervalle doit être construit de telle sorte à ce que l'erreur d'estimation soit de 5%. En fait, ici, l'expression « pour que l'estimation soit précise à 5 points près », ça veut dire pour que l'erreur d'estimation soit de 5%. Ça veut dire que dans votre intervalle doit être construit de telle sorte en fait, qu'on ait FN plus ou moins 5%, 5 points près. Vous voyez, l'estimation est précise à 5 points près. Donc, l'écart entre la borne inférieure et la borne supérieure doit être de 5 points, donc de 5%. Alors, donc il me faut calculer petit n. Je vais utiliser quoi comme formule? Est-ce que je vais prendre l'intervalle approché? Parce que ça, je vous rappelle que c'est pour l'intervalle approché, c'est l'erreur d'estimation. Mais enfin, pour les trois d'ailleurs. Mais ça, vous connaissez, c'est U alpha racine de Fn, 1 moins Fn sur n.
Est-ce que je vais utiliser ça pour trouver la valeur de n? Bah non. Bah pourquoi, monsieur? Bah vous connaissez fn, vous? Dans l'exercice? Est-ce que vous connaissez la valeur de la proportion dans l'échantillon? Ah bah non. Eh bah voilà, bah donc vous ne pouvez pas utiliser ça. Est-ce que vous allez utiliser l'intervalle exact? Bah non, l'intervalle exact exige qu'on connaisse fn. Donc la seule possibilité, c'est d'utiliser la formule de l'intervalle majoré. L'intervalle majoré, je vous rappelle, qui nous dit que nous avons fn plus ou moins 1 sur racine de n. Je vous rappelle que nous travaillons sur du 5% de risque d'erreur. Hein, donc je vous ai dit dans le premier exercice que la formule, c'était 1 sur racine de n. Donc en fait, je ne peux utiliser que celui-ci pour trouver la valeur de n. Donc en fait, j'ai juste une petite équation à écrire. 1 sur racine de n doit être égal à 0,05. Donc je veux que l'erreur d'estimation, ce que dans l'exercice il appelle la précision de l'estimation, c'est pareil, la précision de l'estimation, c'est l'erreur d'estimation, soit de 5 points près, de 5%, 0,05. Je ne peux pas utiliser l'approché, je ne connais pas fn. Je ne peux pas utiliser l'exact, je ne connais pas fn. Donc je prends la formule du majoré et je pose une équation, c'est-à-dire que ça, l'erreur d'estimation doit être égale à 5%. Et donc là, je vous fais confiance, vous allez trouver n égale 400. Et pour la deuxième partie de la question, un point près, ben vous posez 1 sur racine de n. Un point près, c'est 1%. Et vous trouvez n égale 10 000. Tout simplement. Ouais. OK. Allez, mettez sur pause. Alors, le dernier exercice va ressembler à celui de... Pas celui qu'on vient de faire, mais encore celui d'avant. Mais ça va être un peu inverse. Excusez-moi. Alors, on nous dit, avant le deuxième tour d'une élection municipale, on a fait un sondage donc pour connaître le pourcentage de candidats... Enfin, voilà, le pourcentage d'intention de vote en faveur du candidat X, on a trouvé 48%. Donc, on a fait un sondage, donc, qui est sondage dit échantillon, et on a trouvé 48%. Ayant calculé un intervalle de confiance à 95%, le statisticien conclut cette fois-ci que X devrait perdre. Voici ce que dit le statisticien. X devrait perdre. Et on vous demande de trouver la valeur de la taille de l'échantillon. Donc c'est la même question que l'exercice d'avant-avant, là, l'avant, pas celui donc, d'avant, celui encore d'avant, là, le 4, dans la fiche. Enfin, celui-ci est un exercice 4, mais vous m'avez compris. Mais là, on est sur l'inverse, hein, puisqu'il devrait perdre. Donc, l'intervalle de confiance approché nous dit qu'on est donc à 0,48 plus ou moins 1,96 racine de 0,48 fois 0,52 sur n. Bon, et donc, je dois trouver la valeur de petit n. Alors, cette fois-ci, c'est l'inverse. Il devrait perdre. Si cette fois-ci je prends le moins, c'est-à-dire je prends 0,48, donc ça c'est les intentions de vote dans l'échantillon, et que j'enlève quelque chose, c'est-à-dire que si je prends 0,48 et que j'enlève 1,96, ben, on est sûr qu'on restera en dessous des 50%. Parce que je vous rappelle que pour être élu, vous devez. Là, j'avais donné l'explication dans l'exercice d'avant-avant. Pour être élu, il vous faut 50% au minimum. Là, lui, il dit non, il doit perdre. Ben, si j'ai 0,48 et que j'enlève quelque chose, ben, on est sûr qu'il va perdre, j'ai même pas besoin de me poser la question. Donc cette fois-ci, le problème va se poser en ajoutant. Parce que si vous faites 0,48 plus quelque chose, et bien ça peut dépasser les 0,50 en fonction de la valeur de n. Vous comprenez ? En fonction de la valeur de n, 0,48 plus ça, ça peut dépasser les 50%. Mais le statisticien ne veut pas que ça dépasse, parce que lui, il dit qu'il devrait perdre. Donc il faut que ça soit forcément plus petit que 0,5. C'est l'inverse hein, de l'exercice d'avant. Donc on doit résoudre la même équation hein, qu'avant. Donc on aura 1,96, donc racine de 0,48 fois 0,52 sur n inférieur donc à 0,02. Vous résolvez, vous me faites des photos, vous m'envoyez ça par mail, si vous voulez.
et vous devez trouver n supérieur à 2397,16. Et comme on parle d'individus, on prendra donc 2398. Ok ? Donc on est sûr qu'en interrogeant 2398 personnes dans l'échantillon, on pourrait conclure à 95% de certitude que X va perdre. Si on interroge au moins 2398 personnes. Et du coup, la question 2, elle est, voilà, c'est que quelle serait la conclusion s'il n'avait interrogé que 1000 électeurs ? Ben, s'il avait interrogé que 1000 électeurs, l'intervalle de confiance aurait été de 0,48, plus ou moins 1,96 racine de 0,48 multiplié par 0,52 sur 1000. C'est-à-dire qu'on connaît N. Et on aurait trouvé, comme borne, 0,449 et attention, 0,511. Aïe ! Pourquoi aïe ? Bah parce que, vous avez vu, on a dit qu'il faut au moins interroger 2398 personnes pour pouvoir confirmer à 95% de certitude que le candidat X va perdre. Et bien, en interrogeant seulement 1000 personnes, le candidat X pourrait gagner. Parce que là, on a dépassé les 0,5. Tout dépend de la taille de l'échantillon. Ok. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve bien sûr très vite pour de nouvelles vidéos.